Nous, c'est Marchandises en Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher le poté le baou, Jean-Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Dépendamment de l'heure, vous pouvez regarder la vidéo ça. Et pas oublier que vous sous-moi Pemba qui c'est Marchandises en Haïti. Je dis à ce dimanche 1er novembre 2020 et tout à l'heure comme ça, dans quelques minutes, NAP 2 novembre 2020. Et gros nouvelle nous portons pour vous, pays Canada prévoit recevoir 400 000 immigrants d'ici année 2021 cap vini là. Et d'après pour nous traverser la Caraïbe en Haïti, côté phénomène insécurité continue à faire un pile ravage et de jour en jour, bandit sans foi ni loi continue à mettre de l'eau danger en pile famille. Papita que jodia nèg exam fait kidnapper yon passe-tête à toute petite li, n'ap vin ak détail yo tout à l'heure comme ça. Et l'autre grand point qui a dominé l'actualité, c'est la mort d'Evelyne Sincère qui mourit dans une condition tragique. Il y a un président pays à Jovenel Moïse qui réagit sous la mort de ce jeune là et ministre de justice là qui réagit. Et en gros, c'est tout un pays que la mort ça a choqué. Rappelez que c'est pas la première fois que ce jeune a mouru comme ça dans le pays. Et tout récemment, si nous avons songé, Sébastien et Babas sont mouru dans une condition vraiment terrible comme ça. Donc c'est tout gros point ça avec l'autre encore que nous allons développer pour vous sous maman Pemba qui c'est Marchandises en Haïti. Mais avant même que nous rentrions dans les détails, qui te montre en quelques secondes qui j'en pour abonner à la chaîne là et surtout qui j'en pour pas jamais rater notification n'a pas tourné dans quelques secondes. Pour quelques secondes seulement, cherchez Marchandises en Haïti. Après ça, gardez à gauche, ou après subscribe ou bien abonner. Là, ou fin abonné, voyagez à droite, écran. Ou après yon petit cloche. Là, ou fin pesé petit cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Bouik chargé pas campé, n'a pas rentré dans un grand point qui a dominé l'actualité et n'a pas commencé sur le plan international. J'en te dis, l'IA, pays Canada prévoit augmenter quantité immigrants qui n'ont payé pendant 3 prochaines années qui a vini là et yon envisagé recevoir 400 000 immigrants la caillou. En pile monde peut-être qu'a posé question leur ouais nouvelle ça il a dit ou quoi c'est vrai comment Canada t'a fait recevoir tout monde ça ou la caille et puis charger migrant la caille qui besoin papier ou pas ca jeune. Eh bien bon expliquez nous dans qui objectif que Canada envisage recevoir toute quantité immigrants ça ou la caille. Année 2021 nous connaît que corona lui-même lui presque écrasé toute majorité projet qui était en préparé. Eh bien tout pays était obligé de fermer porte pour gérer peuple. Eh bien, tout pays était lock, donc ça qui te vient faire économie, majorité pays ça a tombé plat à terre. Eh bien, selon Radio Canada International, ministre immigration dans le pays Canada, qui c'est Marco Mendicino, monsieur annoncé, jour qui était vendredi 30 octobre 2021, pour pays Canada capable de relancer l'économie qui en baisse et puis manque de monde qui pour travailler, donc pour être capable d'équilibrer. Quantité immigrants étaient supposés recevoir dans le pays où elle est là, qui descend sérieusement à cause de la pandémie coronavirus pour l'année 2021. Eh bien, plan autorité pays là, c'est pour accueillir chaque année, commencer dans l'année 2021, qui vient là, 401 000 immigrants. Et pour l'année 2022, ils pensaient accueillir 411 000 immigrants. Et pour l'année 2023, ils pensaient accueillir 421 000 immigrants. Et selon Bureau Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui c'est IRCC, si ça en langue française, immigrants représentaient seulement 1% de la population canadienne et objectif là, c'est combler déficit ça. Au total, Canada prévoit recevoir plus passer 1,2 million d'immigrants entre 2021 et 2023, presque 200 000 en plus parce que quantité OTI avant pandémie selon Marco Mendicino qui c'est une responsable qui a géré dossier ça dans immigration dans pays ici là. Rappelez que Canada a battu un record comme ça, c'était dans l'année 1913 époque ça yo te recevoir plus passer 400 000 immigrants. Tout de suite, nous continuons avec information. Nous avons rentré dans le territoire Papa Dessalines, côté de pile des autres qui ont fait là. Le groupe gang Abtaï Banda,
bandi ap fè moun la loi sa otan de ya insécurité a ki ja ekol nan peyi an, alors que nan lòt peyi se corona k ap fè dega la kay pa nou, son question de kidnapping, insécurité, moun ap mouri tribo babo, donc la perez ap envahi moun tout côté. Ben phénomène insécurité a ki continue ap monte en force la. Bandi akzam kidnappé yo pasteur ak tout petit garçon journée jeudi dimanche 1er novembre 2021 sous route nationale numéro 2 pendant que yo t'a parlé l'église pasteur si là que sous la pas révélé non li pas révélé non ak tout petit garçon là et ben kidnappé yo réclamé $800,000 américains ou bien ta kal di nan style pa nou $800,000 pour libérer yo en bon calcul $400,000 pour chaque famille moun sa yo que bandi kidnappé a particulièrement yon diak nan yon l'église nan capitale la ki se madame pasteur et maman petit garçon li mande tout frais accès l'église yo pour yo mettre genou yo à terre pour yo prier pour pasteur qui se maril ak petit garçon joine libération yo sans que yo pas révéler identité yo selon la nouvelle info. Et toujours la kaypa nou en Haïti, l'autre grand point qui a dominé actualité a, c'est la mort Evelyne Cesser qui mouri dans une condition vraiment tragique et c'est toute la République qui révolte la mort si là. Donc ça vraiment fait triste. Gagné président pays à Jovenel Moïse qui réagit dans un tweet, président Jovenel Moïse qui fait qu'on est que étant que on perd deux familles, moins choqué profondément par kidnapping si là qui menait assassinat jeune élève là. Evelyne Cesser, Zak méchanceté sa yo inacceptable. Autorité la police ak judiciaire yo, yo gen un seul choix, mette bandi yo hors d'état de nuire, Jean président toujours dit là. Tout de suite gen ministre justice Rockefeller Vincent bon côté parle qui réagit, n'a cité moins révolté par assassinat élève là Evelyne Cesser, Zak criminel ça affecté nation nan valeur sacré li yo. Moi mandé paquet Port-au-Prince ak DCPJ résultat rapide et concret pour crime ça qui grave et qui révoltant. Donc c'est ça, c'est réaction ministre justice Rockefeller Vincent qui sorti dans le silence concernant la mort jeune ça qui perdu la ville, vraiment vraiment triste. Donc ces détails ça aucun dépôté pour vous dans bulletin d'information ça déjà nous ba rendez-vous Pita pour un autre bulletin d'information sous Maman Pemba qui c'est Machanzin Haïti.